Je suis une pro-Palestine, une pro-palestinienne. Je ne travaille pour aucune personne sioniste ou juive. Coupette Kenza, dans le viseur de la justice, après une nouvelle vidéo polémique. Coupette Kenza est dans la sauce. Depuis plusieurs jours, un mouvement appelant à boycotter les influenceurs qui n'ont pas publiquement apporté leur soutien à la Palestine a été lancé sur les réseaux sociaux. Alors que Coupette Kenza s'est retrouvée dans cette liste dressée par les internautes, elle a finalement décidé de prendre la parole sur le sujet à travers une vidéo qui a déclenché un véritable scandale. Et pour cause, l'influenceuse est désormais accusée d'antisémitisme. Du coup, maintenant, j'ai une autre question, mes poupettes, parce que je tombe sur des TikTok, etc. Je suis totalement d'accord avec vous à 100% sur le fait de boycotter ceux qui n'en parlent pas. D'accord. Mais qu'est-ce que vous attendez de nous? C'est-à-dire que là, j'ai partagé une cagnotte. Vous avez ma position claire et nette. Je suis une pro-palestinienne. Je fais des dons. Alhamdoulilah, je fais mes actions de mon côté, les filles. Je suis pas trop du genre à... Avant, je disais mes bonnes actions et tout, mais en grandissant avec le temps, tu comprends que c'est pas la bonne chose à faire. Ça fait trop... Ah, j'aime pas les filles, donc petit 2. La troisième chose, c'est pour vous, qu'est-ce qu'une prise de parole de Coupette Kenza dans son bureau à Dubaï va changer? C'est juste ça ma question. Je pense clairement qu'il y a énormément de gens qui sont suivis, qui se servent de cette cause pour faire du buzz ou pour être bien vus. Chose qui n'est pas du tout mon cas. C'est pour ça que j'ai du recul sur la situation. Vous connaissez ma position. Pour moi, c'est le principal. J'ai vu un peu des messages, vous me dites « Oui, mais c'est bien d'en parler pour ouvrir les consciences. » C'est vrai que ça, c'est important, mais est-ce que ouvrir les consciences aujourd'hui, ça va faire quelque chose quand tu vois que les plus grands états du monde ne font rien? Personne ne bouge. Qu'est-ce que nous, on va faire? On va prendre nos tenues, on va y aller, on va se battre. Qu'est-ce que nous, à notre échelle, nous, on peut faire? Moi, je vous dis, et moi, c'est clair et net, je suis une pro-Palestine. Une pro-palestinienne. Je ne travaille pour aucune personne sioniste ou juive. Voilà, j'ai aucune marque avec qui je travaille comme ça. Je n'ai aucun partenaire, je n'ai aucun agent qui est juif ou quoi que ce soit. Je travaille avec mes marques. Je vais pas dire que c'est tous des rebeux, mais c'est tous des gens de notre communauté et tout. Après la diffusion de cette vidéo, la DILCRA, instance gouvernementale de lutte contre les discriminations, a annoncé avoir saisi le procureur en raison des propos antisémites de Coupette Kenza. De son côté, l'Union des étudiants juifs de France a aussi annoncé son intention de déposer plainte contre l'influenceuse pour incitation à la haine et à la discrimination. La jeune femme, qui a d'ailleurs vu son compte Instagram être désactivé après sa vidéo, est revenue sur ses propos en affirmant qu'elle n'était pas antisémite, et a décidé de présenter publiquement ses excuses.